Donc, on a passé cet épisode, youpi, c'est l'épisode 9. Non, pas de nouvelle sauvegarde. Merci, bonsoir. Sauvegarde terminée. Donc là, ça va être l'épisode 10. La fin des temps? La fin pour de vrai ou la fin pour de faux? J'aimerais savoir si je donne tout ou je donne pas tout. Donc, c'est l'épisode. La suite. Au prochain épisode avec plus de feu et plus de sang. 200, pas de soucis, mais le feu, j'ai eu ma dose. Dans ce jeu, j'ai eu ma dose. Là, j'ai souffert comme pas possible dans le J'ai failli arrêter OBS. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai failli fermer la porte au nez. Non, pas de feu, s'il vous plaît. Non. Moi, je dis non. Est-ce que tu comprends? Non dans le chat. Bon, c'est parti pour l'épisode 10. Isaac, j'ai localisé la navette d'Amund. Quoi? Et merde. On a un gros problème. Il manque toutes les données de navigation. Effacées. On devrait pouvoir les reconfigurer. Je cherche des disques de démarrage. J'ai pas d'accès aux portes d'ici, alors il te faut une clé de maintenance. Si tu trouves ces disques, je pense qu'on pourra remettre cette navette en état de marche. Nouvel objectif, retourner dans le feu. Oh non, encore des trucs à la con, hein. Trouver la clé de maintenance. Trouver les cartes de navigation. On a combien de cartes? Des fois ils disent 5 alors qu'il y en a 6. 3. Non, il y en a 3. Donc, où est la clé maintenance? Donc, je trouve un truc à vendre là. S'il vous plaît. Oh! Et l'accueil, regarde-moi ça. En remake, ça serait joli. Je suis sûr qu'ils vont faire un truc joli. Chaleureux, accueillant. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Du combustible, rien qu'on me. Hein, moquer de moi. Du coup, j'aurais pu avec ça. Hein. Terminé. Le feu, je joue plus avec dans le jeu. J'ai 50 000 bonbonnes là. Mais qui c'est qui a fait ça? Quoi? Kinder surprise d'ailleurs. Réclame du barbecue. Autant tournevis. Mince. Quoi? Acheter, non?
Il n'y a pas une nouvelle combi? Non, même pas. Ouais, et... Vers New Game Plus pour avoir la tenue niveau 5 ou je sais plus combien. Ouais, parce que là, ça fait un moment que je passe des niveaux, mais enfin, des secteurs, mais il n'y a plus de tenue à vendre. Non, je vais pas le vendre, le placer. Bah là, il n'y en a toujours pas en vente. Il me semble qu'il y a... Parce que là, il n'y a rien. Ou alors peut-être qu'il y a un schéma, parce que pour la combinaison 4, j'ai dû l'avoir en schéma. La tenue numéro 4, j'ai dû la trouver, mais en schéma. Et voilà. Et après, le schéma, faut que tu la mettes dans une table. Pour la débloquer. Donc là, on est à peu près bon, hein. On va se regarder. C'est quoi ça? Non, là. Si, c'est quoi? Bah alors tu viens ou pas? Putain, ils sont pénibles quand même. J'ai du boudin, viens. Et moi le boudin. Il n'y a rien dans ce piole là. Alors, tu prends ou pas? Hein? À vous dirai-je, maman? Vous venez? What? Bah tu vois, regarde, elle est là la tenue. J'ai bien fait de venir. Hein. Et aussi un peu grâce à toi, tu m'as donné un peu l'espoir de chercher une tenue à côté. De fouiner. Message. Nous avons un message. Passez-vous sur la plateforme lumineuse et activez la sauter sur les plaines de la plateforme possible pour augmenter le multiplicateur. À travers la suite de la bataille d'abord dans le. Mais j'en ai pas de macro.
Vu le panier actif avant de fin de pendant 2 minutes, réponse à chaque point malin. Et j'ai texté ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Bon, j'ai essayé une fois et après. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Entrée zone sans gravité. Non, ça va me prendre la tête là. Ça, je vais pas le faire par contre. Les trucs sans gravité. Ah bah elle est là la carte navette. Oh là, qu'est-ce que c'est que connerie? Bon, ça va ou quoi? Oh! J'ai pris quand même cher. Hein. J'ai bien pris cher. Connais pas la. La berceau, sauf que là, il chante en anglais dans le jeu. Bon, écoute, à vous dirais-je, maman. J'ai peut-être déjà entendu, mais là, sur comme ça. Peut-être tu écoutes la mélodie, mais là, ça me rend rien qui me revient. Je sais, dans mon berceau, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé, ce qu'on me chantait. Je plaisante, hein, bien sûr. Non, mais honnêtement, ça me dit rien. Peut-être que si j'entends un morceau, ce truc-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Activer, commencer. Non, j'y arriverai pas, je jure, faudrait que là. Quoi avec ce truc là? Mais je fais quoi? Oh, bon sang, bonsoir. Oh, bah tu sais, ça va pas aller plus longtemps pour écouter. Hein. Bon, oui. Ah, le trophée, c'est un trophée. Et un trophée, ça sera sans moi. Hein. Ça m'a fatigué tout ça. Sortie zone sans gravité. La 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 la.
Ah, désolé, j'avais coupé le micro parce que j'avais écouté ta chanson pendant 10 secondes pour savoir ce que c'était. Et en fait, ça me disait que ça me disait rien du tout. Et désolé, j'avais coupé le micro. T'as bien fait de le dire parce que pendant 3 heures, j'aurais parlé tout seul. Ah, merci. C'est des conneries. En fait, je suis pas habitué de streamer sur PC en fait. Avec la PlayStation, il n'y a pas de souci, tu vois. Quoique sur la Play, ça m'arrive aussi de doubler le micro. Je sais pas, je disais aussi, si t'as encore la chanson en tête pour toi, ça va être pénible. Moi, j'ai déjà écouté 10 secondes la chanson. J'ai les 10 secondes que j'ai écoutées, je les ai encore en tête. Hein. Enfin, la mélodie là. Au secours! Au secours! Heureusement que je la connais pas la chanson.
Ah ouais, je parlais tout seul depuis tout à l'heure. Il n'y a personne qui écoutait. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'explore. Hein. Je ne dis pas d'aller là-bas, je m'en fous. Tu les quand même. Ah bah, comme ça. Comme ça, c'est réglé. Et tu te souviens pour le basket là que j'ai zappé là? Ça m'avait l'air d'être trop chaud quoi. Je suis sûr qu'il y avait un trophée encore à faire là-dessus. Je sais pas si t'as fait, je sais pas si t'avais compris quelque chose. À mon avis, il fallait être équipé d'une de l'arme là qui permet de d'expulser le truc. La balle. Oh! Ah, le malade, celui-là, il est malade. Vous trouvez quand le mec, tout là. Semble si désespéré. Le docteur Cross avait des croyances, une grande foi. Maintenant, elle attend sa transformation pour renaître. Êtes-vous prêt à la suivre, monsieur Temple? Peut-être que c'est fatal. Ne craignez rien. Vous jouerez votre rôle très bientôt. Soyez le témoin du miracle d'enfoi! Un vrai psychopathe. Mais ça, je sais pas si tu verras encore ça dans les jeux récents. Prenez-les. Ils sont à vous. Là, il y a des trucs graves quand même dans les jeux avant. Des meurtres comme ça. On peut pas courir. C'est de la morph. La xénomorphe. Ouais, je peux pas courir, c'est chiant. Mais vraiment que. Oh. Earth is printing mountain. La petite donzelle là-bas. C'est beau. Bon, est-ce que je vais là-bas? Oui. Mais j'ai pas envie. C'est pas agréable quand même, c'est pas très beau. Je pense que je vais me faire embarquer par un verre. Il y a quelque chose, qu'est-ce qui m'a fait mal? Putain, encore ce truc là-bas, c'est vraiment. Même pas de changement d'épaule quoi. Sérieux, t'es pas bien encore? Qu'est-ce que c'est ces histoires là? Mais arrêtez de me donner cette merde. Ah ouais, oh merde. Faut pas me dire ça maintenant. Maintenant, je retrousse les chemins. Je dois pas y aller hein, pour l'instant, mais j'y vais quand même. J'ai toujours les trucs à l'envers quand il faut pas. T'sais. Ah, c'est les chiottes. Ouais, spécial, c'est les chiottes. God bless. It is safe, oui. D'accord. Une grosse marque de sang et c'est 17.
Mais y a quoi? Il y avait juste des sous, c'est tout. J'entends des bruits, quoi. J'ai tellement de canardés, ouais, j'ai même plus de trucs comme ça, c'est tellement utile ça. Il faudrait que j'aille plus tard. Un trancheur. J'espère qu'il n'y aura pas des puzzles à la con. Même pas des puzzles, c'est pour moi, c'est pas des puzzles. Mal foutu, mal branlé avec le feu là. Le pire, ouais, il y a ça, mais le pire pour moi, c'est. Ça va, ça passe. Quand tu manques d'air, c'est chiant, quoi. Au départ, j'ai amélioré ma combi pour avoir plus d'air. Il y a encore des merdes là. Moi, ça, il y en a partout. C'est quand même cool, hein. Quand même affreux, hein. C'est toi qui as marqué. Je vois une caméra, je sais pas ce que c'est. Le stream, je vois une espèce de vidéo. Ah, ça montre une caméra. Qu'est-ce que c'est? Hello? Hey, ouais, j'avais fait la démo. Ou non, c'était une bêta ou une alpha. Je sais plus. On m'avait fini un truc à l'époque. C'est un Bethesda, hein, celui-là. Non, je confonds. Je confonds toujours prêt avec un autre jeu. C'était un Bethesda. Ouais, bah ça doit être prêt. Ouais, il y a des espèces de bestioles comme ça, ouais. Et ben en fait, ouais, ça m'a plu, hein, ça m'a plu la démo. Je l'ai toujours pas dans mon stock de jeux, là. Mais si c'est vraiment celui-là, ouais. Il m'avait l'air un peu quand même dur, hein, celui-là, après. Il n'avait pas l'air si facile que ça. Oh putain. Putain, mais... Oh l'horreur, le rechargement! Le maître du feu, Lord of the Fire. Allez, barrez-vous là, c'est pas la fête, hein. c'est pas le 14 juillet. Mais putain, disquette au secours. Des rôles. Non mais c'est sérieux? Oh non, sérieux quoi.
Ah, elle est partie dans l'espace. Voilà, la bonne nouvelle que tu m'as annoncée là. Je suis tellement content que j'ai envie d'arrêter le jeu. Non, dans ce jeu, les parties en apesanteur, elles sont juste horribles. Parce que tu n'arrives pas à viser. En fait, tu peux viser où tu veux aller, mais ça concorde pas avec où tu veux. Enfin, comment je pourrais dire? Genre, je veux aller là, ça marque OK, tu peux y aller, et je vais là, alors que c'est la même couleur de plateforme, mais je peux pas y aller. Ça n'a aucun sens, quoi. Alors, du feu, ouah, t'as vu comme ça se bouffe. En 2 secondes, t'as plus de feu. C'est juste la merde. Hein, un peu comme la mitrailleuse, pas. La mitrailleuse, ça fonctionne bien, mais. Bien, pas super énormément bien, mais le feu. C'est pas terrible, et en plus, ça se bouffe énormément vite. Oh la véro le vieux. Mon pauvre. Ah, c'est pire que dans Dead. Je veux dire que dans Prey, il y a des parties dans l'espace en apesanteur ou c'est dans ce niveau-là qu'il y a des parties d'apesanteur Ah oui, d'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai même pas vu le visuel. Il me remet de ça encore. Dans Prey, ouais. Mais il est pas. Tu l'as fini le jeu là? Il est quand même accessible, c'est pas un truc trop énervant. Après, ça dépend de la personne aussi. Ça dépend. Faut que je monte. Hein. Une demi-heure. Monsieur Clark, je dois vous parler. Je suis tout près de votre position. Et si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, je peux tout vous expliquer. Tout ce qui s'est passé. Une fois que vous aurez les disques, je vous ouvrirai le poste de sécurité. Il faut qu'on parle. Faites vite. D'accord, monsieur, d'accord. Oui, mais ah oui, c'est parce qu'il y a de la vérole par terre. Je ne pas courir, j'y merde. Et comme il marche. Il marche au canard. Ouais, ça craint cette zone là en fait, tu peux pas courir. J'ai qu'un truc de. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Moi j'y vais pas là-bas.
J'y vais pas et j'y vais. J'y vais pas, mais j'y vais. Mon tuto ou alors je fais quoi? Ah, pour monter après, voilà. Bien fait de venir, il y a un petit sauvegarde. J'aime pas les jeux vus perso, mais il y en a de plus en plus. Ouais, il y en a toujours eu des jeux FPS là. Il y en a toujours eu. Après, ouais, mais au départ, moi, quand je m'étais remis aux jeux vidéo il y a 20 ans, j'avais redémarré sur les vues FPS, j'adorais ça, mais aujourd'hui, je déteste. À part quelques-uns que j'ai, je me suis forcé un peu à faire, on va dire. Alors Cyberpunk, ouais, bof, mais ça va, c'était pas trop désagréable. Ouais, t'as mis un peu de temps à le comprendre, mais. À part ça te gaver, si tu t'y mets un peu dedans, c'est passé quand bon, ça va. Mais je sais pas si je dois aller là en fait, hein, parce que là, c'est n'importe quoi en fait, là j'irai après. Comment il marche. Trouver les cartes de navigation, mais j'en ai trouvé déjà quelques-unes des cartes de navigation. Ouais, deux au moins, je crois. Mais je suis déjà venu ici, c'est quoi ce bordel? Ah mec. Bidule de stade, de stase. Je suis avec mes munitions. Hein. C'est pas ouf, hein. Niveau. Et péter transmission. Du dortoir B est coupé. Il va falloir trouver un autre chemin dans le coin si tu veux atteindre la porte.
Débrouiller le dortoir. Mais il fait chier que mon stas prendre de la place, ça sert à rien. Ah, les deux, chaque fois, je l'ai fait deux fois ce truc-là. Et la deuxième fois, chaque fois j'ai réussi à m'en sortir la première fois et la deuxième fois. Mais chaque fois c'était ballot, j'arrivais pas, je comprenais rien et j'arrivais quand même. Mais là... Allez, allez. Mais pourquoi ils disent pas? Il est à côté de bordel. Trop dur quoi, c'est vraiment trop dur. C'est ta faute, hein, tiens, c'est ta faute. Mais c'était pas ça que je devais faire. C'est pas ça que je devais faire. J'ai fait quand même. Là, je vais pas faire bugger le jeu. Bon, on verra bien. Hein. J'ai pas de tronçonneuse. Oh, c'est trop cool. Je sais même pas si on a eu. Il y a eu plein de trucs que j'ai pas acheté, je peux pas les acheter. En fait, c'est parce que j'ai trop d'armes sur moi et je peux pas les acheter. Et du coup, ça m'a un peu découragé d'en acheter quoi. Mais c'est vrai que ça me fait penser qu'il y a d'autres armes. Qu'il y a une espèce de disqueuse, est-ce qu'elle est bien celle-là? Tu sais, une espèce de. D'ailleurs, j'ai même pas trouvé des munitions pour cette même. Cette arme. De toute façon, il n'y a pas de chop. Il n'y a pas de chop ici. On fout, maintenant on va faire. Ouvrir, mais bien sûr que je vais ouvrir. Fonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contacter un technicien. Oh, j'ai déjà entendu celle-là. Oh, zone sans air. Ah, mais je suis en train de mourir, super. Sortie zone sans air. Entrée zone sans air. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Ça va, il t'en faut combien? Dysfonction.
fonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Wow. Non, c'est pas possible. Ah mais j'ai crevé. Putain, c'est pas vrai quoi. En plus y a rien, je suis dégoûté, je suis là pour rien quoi. Mais pourquoi il marche pas? Pourquoi tire pas? Ne tire pas. Allez, tue-moi, vas-y. Tue-moi. Ça me saoule. Hein. Tue-moi. Et le bouton, je sais pas ce qui est bug, il crache pas de feu. Je sais pas pourquoi il crache pas de feu. Ah, mais ça m'énerve, putain, je vais refaire des coupages de fou, quoi. Au moins, je vois les morts un peu de Mortal Kombat. Regarde-moi les yeux bugs de merde. Ça, ça valait le coup, ça. Mais il tirait pas, mon bordel. Je sais pas pourquoi il voulait pas tirer. J'essaie d'appuyer tout ça et je sais pas pourquoi il marche pas. Lance-flamme, pourtant j'ai des munitions quand même. Je vais les recharger. Elles sont magnifiques. Je crois qu'il y a un gros décalage entre la diffusion et ce que je fais. Ah ouais, regarde, ça marche, moi, là. Et je sais pas pourquoi ça marchait pas à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Pourquoi ça marchait pas? Entrée zone sans air. Ouais, ça marche pas. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'air. Wow, la logique du jeu, quoi. Ah, par contre, le chapeau. La caméra au secours, bordel. Par contre là, la logique, ça m'a surpris. Ouais, putain, franchement, c'est de la vraie merde en fait, ce... Non, c'est vraiment de la merde. Allez, accouche. Prends le train. Faut 10 000 balles pour qu'il crève. Non, bon, sérieux, quoi, putain.
c'est quoi encore? C'est quoi? C'est où? Elles sont magnifiques. Pas un truc pour sauvegarder ainsi. Hein, j'ai vraiment plus de vie. Allez. Gâchette facile, on m'appelle. Bah, je suis déjà venu, hein. C'est quoi cette blague là? Alors, bon, alors, nous voici dans un joli tapis de je sais pas quoi, tentacule. Ah. Bah ouais, mec. Elles sont magnifiques, mort. C'est vrai qu'elles sont splendides, mortes. Oh, le truc là, c'est passé quoi là? Pas courir, je suis dans la mollusque. Mitraillette. Ouais.
J'en suis où dans ce bazar là? Lâche. Beaucoup trop calme, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est calme comme ça? Monsieur. On est revenu au début là, ouais. Nous sommes revenus au début, mais ouvre-toi la porte s'il te plaît. Et les impôts. Merde. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font avec tous ces trucs là, les stases là? J'avais pas un... un casier là. J'ai trop de saleté sur moi, là. Ça va pas ça. Ah, là. Alors, oh, c'est pas la fête au niveau des munitions. Hein. Il n'y a pas un truc pour sauvegarder, non, ici? Non, même pas. Pourquoi j'entends rien? Ouais, c'est le psychopathe là. Ces longues années, ce que nous avons tellement entendu
Détourner de l'église en cet instant si important. Ne perdez pas votre foi. Tout ce qui est arrivé sur la colonie n'est pas une tragédie. Ouais, tout son blabla là. Là, c'est la sauvegarde là, la dernière sauvegarde, putain. Sauvegarde automatique, elle sert à rien du tout, putain. Oh non mais putain, là j'ai envie d'arrêter, sérieusement, là, c'est une idée, c'est une gonfle. Nous en sommes les héritiers. L'élévation de notre destin divin. L'unitologie voit juste. Et la mort n'est qu'un premier pas. Par les aspects. Car, voyez-vous, tout cela nous mène à la perfection. Ayez la foi. C'est ce que nous avons cherché pendant toutes ces longues années. Ce que nous avons tellement attendu. Ne les écoutez pas. Me refaire chier à se taper, ce puzzle, putain. Mais c'est tellement punitif, c'est tellement con, quoi. Le pire, c'est que après, une fois que je l'ai mis ce truc là, je peux pas la rappeler quoi. C'est ça le souci. C'est tellement con, putain, qu'est-ce que c'est con. Faut te la fermer, le bordel là, t'arrives pas à le choper. Tellement mal fait, la vache, qu'est-ce que c'est mal fait. Après, ouais, faut courir. Courir. Tu prends ici. Mais non, putain, c'est nul. De choper là-bas. Oh là 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 là, le gameplay à deux franchissous, quoi. De choper là-bas. Oh là là là, la sueur, quoi. Non, là, mais je joue comme ça, techniquement, quand ça la ramasse comme ça, c'est plus la peine, hein. Je chopais celui-là pour retester le mon bordel. Il te chope celui-là, quoi. C'est du coup, c'est mort pour revenir, repartir. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible, quoi. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ouais, franchement, c'est pas du courage, c'est la folie. C'est désespérant, quoi. C'est vraiment désespérant. Quoi. Bah, tu veux revenir? Tu peux pas courir, prendre le truc parce que... Ah là, il l'a fait. Attends, parce que il y avait quoi après? Ah, parce qu'il y avait encore plusieurs puzzles. Non. Nulle part, très cher.
Vous m'avez impressionné jusqu'à présent, mais maintenant c'est terminé. Mon œuvre est l'expression de Dieu lui-même. Il est temps de quitter la scène. Mais non, putain de merde. J'espère que ça va pas me huguer comme tout à l'heure, parce que laisse tomber quoi. Mais c'est tellement mal foutu comme puzzle et... Ça n'a juste pas de sens. Merde. Je suis où là? Mais pourquoi je peux pas passer? Explique-moi pourquoi, putain. Non mais tu fais ça, tu peux pas passer, c'est bon quoi. Réparer la navette. Réparer la navette, mais c'est quoi réparer la navette? Qu'est-ce que je répare la navette? Ok, ça devrait faire. C'est quoi la merde qui s'est passée là? Ah ouais, j'ai vu plein de merde. Très beau travail, monsieur Clark. Très beau travail. Mais j'ai les vieux trucs qui s'est passé, j'ai rien compris quoi. Dans la zone de la direction. La porte est ouverte, faites vite. Isaac, méfie-toi du docteur Kyle. Oh, mais merde, putain, ça va quoi. Donc. Je sais pas si je crève là. Il n'y a pas de sauvegarde. Il dit voilà, attendez que ça se passe, qu'il répare la navette. Mais j'ai pas compris qu'il fallait que j'attende. Je dis mais putain, il y a un truc qui va pas. Là. Oh, la purge qui s'est passée là, ce jour, c'est une scène de purge. Merci pour le courage donné. Ouais, mais la prochaine fois que je la vois, je la flingue. La prochaine fois que je la vois, je la bute. Voilà, c'est fini. On a fini le chapitre, non? J'espère. Ouais, je suis sûr que non.
Moi, je savais pas. Déjà, je comprends pas trop. J'entends pas vraiment bien. Alors, les sous-titres, des fois, j'ai pas le temps de les lire pendant les combats. C'est juste impossible, même. Alors, c'est fini ou quoi? Non? J'espère, parce que là, stop. Hein. Il est l'heure. Et même plus que l'heure. J'avais 17 heures. Ah non. Ah oui, j'ai sauvegardé. J'avais déjà sauvegardé, mais maintenant c'est fait. Bon, tu les coinces. Le barjot là. Mais pourquoi ça a pas marché lui? Vous voilà. Dieu merci, vous voilà. J'ai suivi votre progression. Je sais que vous voulez réparer la navette de fonction et quitter cet endroit, mais la fuite est impossible pour l'instant. L'accélérateur lumière est complètement détruit. Non, 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 non. Gardez espoir. Gardez espoir. Au début, je l'avais perdu. J'ai saboté les vaisseaux, saboté les systèmes. Mais, Amelia, a tout changé. L'Église! Il croit que le monolithe est divin, mais il ne voit pas le danger, son maléfice. Regardez, regardez. Mais est-ce qu'ils ont faim ou... Ouais. Voilà ce qu'on a trouvé au cœur de cette planète. Mercer l'appelle la reine mère. C'est la source. Elle contrôle les nécromorphes par télépathie. Quelle bande d'idiots! Mais Amelia savait comment faire pour les arrêter. Le monolithe doit être remis à sa place. Le monolithe retenait ses forces au cœur de la planète. Ramenez le monolithe et scellez la reine mère. Oh, pitié. Pardonne-moi, Amelia. Je suis le seul responsable de ce qui s'est passé dans ce vaisseau. Je vais essayer à tout prix de mettre un terme à tout ça. Pour réparer mes fautes. Vous pouvez m'aider. Si vous réparez la navette et ramenez le monolithe à bord, on peut arrêter ça. À jamais. Repère à manette, ma navette, je vais me battre pendant 1 heure et si je meurs, je vais me taper son monologue encore. C'est ça l'histoire. J'aimerais bien sauvegarder comme ça, si je meurs, je vais pas me taper à son monologue. Mais de toute façon, si je meurs, je dois me retaper. Ah non. Si j'ai une sauvegarde précise, je recommence à la dernière sauvegarde. Pas au point de contrôle. Point de contrôle sur PS3, c'est mytho. Tu recommences ton jeu, tu recommences par à partir d'une sauvegarde et jamais d'un point de contrôle. Sur les vieux jeux PS3. La petite musique qu'on n'a toujours pas. La petite musique qu'on n'a toujours pas. Bonjour.
D'habitude, je me concentre pas du tout. Qu'est-ce que c'est que j'ai arrivé là? Il se passe quoi là? Mais là c'est tellement grand quoi. Un truc de merde.
Je la connais celle-là. Attendez-moi, je suis en route. Mais sérieux, je vais pas attendre là. Tester les moteurs de la navette. Ah. Tester les moteurs de la navette. Comment je suis censé savoir? Essai des moteurs de la navette. Ah, la surprise. Putain, merde. Non, mais c'est sérieux? C'est pas celui qui se refait quand même. Ah, c'est celui qui est le vide, merde, putain. Non mais c'est une blague, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Mais j'ai plus le stas bidule là, ma chouette de merde. Sérieusement, c'est vraiment un jeu de merde. Qu'est-ce que je suis censé faire à attendre encore? Il se passe rien. Oui, quoi. Relâcher la navette, putain, on a relâché la navette. Mais c'est tellement débile, quoi. Essai des moteurs de la navette. Mais vas-y, tant que la porte s'ouvre, laisse tomber. Non, je dois faire quoi? Il faut que tu regardes à chaque fois ce qu'il faut faire.
Voilà, c'est tellement pourri, c'est tellement casse-gueule comme jeu. Ah, faut que j'attende que la bestiole se mette en face du feu. Chier de merde. C'est tellement con quoi. J'ai plus de stage de merde, putain. Ah, puis j'ai plus du non plus. C'est vraiment fantastique comme. C'est fantastique. Plus de vie. Mais la porte met 15 ans à s'ouvrir. Essai des moteurs de la navette. J'ai plus rien. J'ai tout bouffé mes trucs. Oh, il m'en reste plein en fait. Juste les stages, j'ai juste plus de vie non plus. Plus de vie. Ça marche. Oui, ça va marcher. Nous pouvons encore y arriver. Nous devons détacher la navette pour décoller. Le point de contrôle, vite. Il va falloir que vous disiez la procédure de départ pendant que j'allume les moteurs. Et nous ne ferons plus qu'un. Allez. J'amène la navette au pont de lancement où le monolithe est stocké. Mais non, je vais pas tester la navette, on me dit de la relâcher. Ah mais faut que t'attends qu'il grimpe. Les... Oh. C'est mou. Hein. Faut vraiment être dans l'air du temps. Hein. Blocage navette désactivé. Je me dirige vers le pont. Allez-y, nous pourrons charger le monolithe. Oui, Amelia. Oui, on rentre bientôt. Mais... Faut pas trop monter l'histoire. Je ne sais pas si ce Kane est cinglé ou non, mais on a besoin de cette navette. Fais comme si tu le croyais. Pour l'instant. Mais j'ai plus rien, j'ai les poches vides là, c'est... J'aurais peut-être pas dû sauvegarder, parce que là juste avant j'ai fait de la merde. J'ai fait de la caca et de la caca comme il faut. Votre heure est venue. Aucune raison d'avoir peur. Aucune raison de combattre. Beaucoup nous ont déjà quittés. Et l'heure a sonné pour nous d'embarquer vers l'infini, vers l'immortel, et de laisser le destin faire son œuvre. Rejoignez-moi et revêtez l'apparence de Dieu. Putain, ça se finit jamais là.
Je n'irai pas par quatre chemins. Ce message doit vous servir pour comprendre certaines de mes décisions. Je suis un unitologue. En fait, vous n'ignorez sans doute pas que nous ne sommes pas censés être ici. Pour la compagnie, c'est juste une mission illégale de plus, avant qu'il ne découvre le monolithe. C'est lui qui a attiré l'église, avec moi en tête du pèlerinage. Selon l'église, la plupart des passagers étaient fidèles. Mes instructions étaient de rapatrier le monolithe en sécurité à bord du vaisseau. Terence Kine, un scientifique, connaissait le monolithe d'origine et avait pour mission de déchiffrer celui d'ici. Il m'a dit être sur la bonne voie. J'ai décidé de mettre la colonie en quarantaine. Il y a une sorte d'épidémie là-dessous, et pas question que ça atteigne le vaisseau. C'est les joueurs de foot là qui klaxonnent. Je suis à moitié mort, j'ai rien. Voilà. Bon, on a terminé cet épisode, c'est cet épisode avec la scouille. C'était cool. Heureusement qu'il y avait des personnes pour m'encourager, entre les parenthèses. Hein. Hein. En tout cas, merci. Mais c'est quoi, pourquoi ce marque-là ? Donc on est arrivé, on prend le train et on prend le trophée. Normalement. Donc c'est tout pour cet épisode numéro 10. Moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 11. Allez, merci beaucoup et à bientôt.